Salut tout le monde, c'est Lorez, on se retrouve sur Dofus Temporis Rétro, au hall des valeureux, pour un défi exotique un peu complexe, mais ça devrait se passer quand même. C'est le défi gélatineux. Donc c'est tous les gelées royaux, tous les gelées royales, et tous les blobs royales aussi. Donc ça fait beaucoup beaucoup de gros boss. Donc en compagnie de Titsoko Et et de Canboss, comme d'habitude. Hop, allez. ah purée, j'ai oublié de mettre mon cac. Ah ça c'est ballot ça. Bon bah j'ai la faux du paysan. Qui est pas ouf, faut se le dire. Bah c'est chiant pour taper du coup. Tu veux qu'on abandonne et qu'on relance? Non. Ah j'ai pas fait maîtrise de baguette par contre, j'ai oublié. Que je fasse gaffe. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé qu'un bloc il me goûter. Est-ce qu'on va pas communément avoir de la chatte? Bon, par contre, il ne sent plus en venir à mon cac. Faut faire gaffe à qui il lance ses protections. Mais après, ça va pas être trop difficile. On a déjà fait le multi à 3 et on avait beaucoup moins de level que ça. Un petit glouton? Allez, un rock. Je préfère qu'il invoque un biblop qu'un blop. Et moins de lignes. Moi je préfère qu'il invoque un glouton qui glouton. Mais vu qu'on a un défi, Mais j'aimerais bien que genre il gloute la gelée royale citron. Je l'aime Ah pas ouais, celle-là. chiant celle-ci. J'aime pas du tout. Ah bah. Ah non, il va en. C'est bon. En mode barbare. Là maintenant s'ils envoient un glouton par contre. Ouais. Assez risqué. Après le taux est faible, hein, parce qu'il faut quand même qu'il fasse un coup de tick. Oui, mais je veux dire, c'est pas. C'est au minimum 1% et ça peut être même 2% si c'est sur 1 sur 50. Moi je veux bien leur filer du Donc cul hein, c'est s'ils faisable. envoient un glouton. Ça y est, il s'est rendu compte. Pas de couteau, please. Là, il a eu la chance. La chance, non, c'est juste. On aurait dit plutôt qu'il y aurait eu de la malchance s'il aurait invoqué. Ça aurait été invoqué un glouton. Est-ce que je me fais tacler par un blob? Quel oubli, mais quel oubli. Quoi? Bah, cette faux usée du paysan là. Ah! Bon, c'est mieux que la faux de tout court, parce que la faux, il n'y a que 10 initiatives. Ouais, Elle donne un peu plus. bah c'est j'ai pris celle-là pour ça hein, à la base, mais je suis dégoûtée. T'inquiète pas, c'est pas toi qui feras le plus gros du boulot. Bah, de toute façon, ça je sais On a besoin juste de toi pour la gelée royale Nantes. Le reste, tu peux faire autre chose. Et tu peux dormir si tu veux. Par contre, t'as vu la timeline? Avec toutes les invocations. Non, je vois pas, je dors. Je rigole. Tiens, ta clé. Non! Bim! C'est pas vrai! Tu veux pas dormir, hein? Je sais pas, hein, des fois. Oh, oui, ça va. Ah On peut plus plaisanter maintenant? bah si. Allez. Et je claque. Je veux pas prendre de dégâts. Par contre, si lui il vient mon cac, c'est pénible parce que là, je peux vraiment plus du tout bouger. Ouais, Et mais ça, c'est dommage. c'est pas grave, au pire des cas, tu peux lui. Oui, mais j'ai un cac, c'est pour m'en servir. Je suis plus un féca, je Bah, suis un moi j'ai un fécac. cac. J'ai un cac aussi, hein, mais je ne m'en sers pas, puisque je l'ai pas. Oui, bah là, justement. C'est un peu dommage. Par contre, c'est vrai que si tu te fais une. C'est vrai que la ronce multiple là-dedans, elle devrait faire plaisir quand même. Bah ouais, mais je joue pas avec Cadmus. C'est pas grave, il va prendre des Oui, mais il y châtiments. avait poison. Ouais, c'est pas non plus. Tu fais pas 4000 de dégâts avec un poison. Pas encore. Ça serait beau quand même, hein. Faut pas abuser. C'est tout. Là, j'attends de voir quand il sera boosté avant. Ah oui, c'est là qu'il fait Fury maintenant.
Ah oui, mais c'est vrai qu'il a mes boucliers. Donc il subit forcément beaucoup moins de dommages. Mes boucliers, comme ça, sont quand même vachement efficaces. Je retiens quasiment 200 en feu, je crois. En fait, il le tape même pas, l'impression. Non, il le tape pas, il a des boucliers, forcément. Ah, 127 en... On a déjà réduit un peu la taille, là. 253. Oui, c'est moi. Et toi, un petit peu, t'as tué les bleus, et moi j'ai tué le blop et le blop. Par contre, toutes les résistances qui se donnent ensemble. Oh. Moi, ce qui m'embête le plus, là, c'est que c'est long. C'est extrêmement long. Ça, pour le coup, je te le fais pas dire. Pas mal. Je suis assez fier de mes dégâts. Au prochain tour, il n'y aura plus de blob René Troyal. C'est déjà quelque chose. Ah, finalement, tu n'y as pas résisté. Ça va être un décure un ou deux mobs chaque fois en moins. Ça va aller beaucoup plus vite. Bah, le monstre, je vais bien l'endommager avec mes poisons. D'ailleurs, ta ronce agressive en CC, ça reste aléatoire ou c'est Gmax? En CC? Ouais. Je pense que ça reste aléatoire. Hein. Ah, regarde. Non, 6 à 50. Oh, c'est une base. Donc, critique, on a 56. Parce que t'as beaucoup de sorts. Prendre des éca flip, c'est normalement ça, genre la grippe joueuse, je crois, ou... En coup critique, je suis à 56 fixe. En coup critique sur la ronce agressive? Ouais. En critique, 56 fixe? Oui. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais savoir, donc c'est bon. Si tu fais un CC, tu fais Gmax, quoi. Et ça, c'est cool. Le 1 sur 2, donc, pour sur la ronce agressive. 1 sur 4 seulement? Mmh. T'as ton tutu? Ouais. Ouais, ok. Oh, un sur 4, ça fait quand même 25% de chance, ouais. C'est pas dégueu. Alors, je vais voir combien de dommages je vais lui faire avec les poisons, et je vais regarder. Sachant que t'as pas ton cac. Sachant que j'ai pas mon cac. Et ça, c'est un embête, du coup. Je te répète pour moins. Que tu souffres bien. Non, mais c'est pas grave, je le mettrai après, mais c'est comme j'étais parti faucher. Je lui ai quand même fait pas mal de dégâts. Hein. Ouais, 400 quasiment, ouais. Même plus. J'avais peu d'espoir de le tuer, mais je trouve ça déjà pas mal. Je vais, tant pis pour Cadmos, mais je vais poser un glyphe Tanta. Là, la tentation est trop forte. Hein? Ah, c'est pas maintenant. Bah, il vient de disparaître en même temps. C'est pas maintenant, je fais quoi alors? Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Oh, mais! Et eh ben voilà. Écoute, comme ça c'est réglé. Ah, je sais pas, ça m'a troublé, j'étais perdu. Visiblement le niveau 170 quand même pour pouvoir poser un glyph tous les deux tours. Mmh. Il y aura toujours un glyph actif. Il n'y a plus de bouclier, c'est le dernier tour. Mmh. Est-ce que tu veux absolument les boucliers? Pas spécialement. Ouais, t'en auras pas. Ce qui m'intéresse le plus c'est les PA du coup, parce que... Mais en ayant les PA, je peux faire une mousse de plus. Après, je peux TP et te faire les boucliers. Hein. Bah écoute, si t'as que ça à faire, vas-y. Hein. De toute façon. J'ai pas que ça à faire, mais je peux le faire pour toi. Parce que bah, si tu tapes plus fort, bah, plus rapidement, le combat est plus rapidement terminé. Je pense que le fait de l'avoir tapé, ça lui a un peu fait plaisir quand même. Il tape quand même plus. Hein. Bah là, y a plus les boucliers, donc forcément, le dégât qu'il va prendre, ça va être plein pot. Mmh. Alors, résistance au feu, elle a été mise à qui? Bah lui, je peux pas faire ça. Moi je serais toujours coucou. Coucou. Aussi parce que le prochain tour ils invoquent. J'allais dire prochain tour ils gloutent. Donc je ne je fais pas de TP alors. Bah si, juste décale-toi après quoi. Non, donc je... Ah non, bah, je fais pas TP. C'est en 3 tours. Voilà. Bon, ça règle le problème. La question est vite répondue. Boubou pour moi tout seul, en mode égoïste.
Bon, on va savoir si je fais un CC sur l'armure incandescente, l'armure aqueuse, je fais un coup de cave. Si c'est pas Oh, un purée, il CC, vient de m'embêter lui aussi. je suis désenflammé. Coup critique. Coup critique, ah bah ça sera le coup de cave. Coup critique, ça maîtrise des baguettes. Les CC, ça y va, non? Allez. Oh purée, Yes. full coup critique là, GG. Ça fait plaisir. Je suis pas peu fier. Elle est pas peu fière, elle est un peu tiède. Non mais c'est le tutu en fait, pour mon cas qu'il est inutile, parce que je suis déjà 1 sur 2 de base avec Moi je décale parce que là ça non, va. par contre des conneries. Mais avec mon armure incandescente, je suis déjà 1 sur 2 avec mon cac. Mais le fait d'être 1 sur 2 Il aime avec pas les mes boucliers poisons. aussi, ça c'est top. Il aime pas mes poisons. Qui? Cade. Ah. Ça commence à être un peu mieux quand même. Bon, le coco, je peux pas le taper, il a. Ah, Oui, il a pas invoqué. bah si, non, le griotier est mort, donc ça va, je peux taper. Bah, tape la fraise, non? Plutôt que. Ouais, c'est pas bête. Au moins, comme ça lui permet de faire de plus gros dégâts vu qu'il tape en zone autour de lui. Je vais encore faire mon fécac. À condition qu'il arrive. Parce qu'avec les deux fraises. Non, le problème, surtout, c'est qu'il est loin, donc je sais pas si j'aurai 2, 4, 6, 8. Non, j'aurai pas la PO pour le CAC. Et bah, comment ça t'appelle si bon? Bah non, il y a 70% de résistance. Mais alors, il y a de la résistance partout, les citrons. Faudra bien taper un moment ou un autre. Hein. Et vu que t'es full coup critique, là, let's go. Hein. Je sais pas s'il est content ou pas content, là, pour le coup. Je sais pas trop, je fais comme ça de me taper depuis tout à l'heure. Mais... Ah, la flamiche, Ça pique, hein. il a retenu 42 plus sur tout ça. Bon, techniquement, je pense que je les fraise. Bon, oui, c'est sûr, ça meurt. Parce que sur les doppels, donc niveau 104, 100, 160, Il y a de la résistance. ils ont 16% de résistance en feu. Je fais du 500 sur les glyphes enflammés. Ils ont mis de la résistance sur le bleu. Bleu. Ouais. Je vais quasiment Ah non, oui, non, mais il a le gel protecteur. Ouais, bah c'est ça, la Oui. résistance. Et ça, c'est les toutes les jeunes ensemble qui mettent. Bon. Oh, bah, Bah plus de globalement, jeu. il nous reste plus que la jaune. Hein. Le ballon. Normalement, la rouge, tu la tues, là. Ouh, là, elle est finie. Très bien. À part si je fais un échec critique. 70% purée. Je vais aller taper avec mon faux pour voir ce que. Ah oui, il a la pupule là. Ah ouais. 70% de Il a sa résistance, hein, quand même. pupule. Bah, on verra. Hein. 2500. On a besoin de la pompe. Bon, il va pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a pile à 50. Bah oui. C'est 30% de la vie max. Il a combien de vie max? Il va faire. Ouais. Bah... Ah oui, Fait plein de dégâts, donc hein. c'était plutôt avec assaut, c'est bien ce que je me disais. Ah ouais, mais t'as vu les dégâts qu'il lui a mis sur du 90%. Assaut, c'est R, hein. Quoi? Il a pas pu faire autant de dégâts. Regarde bien. Il a fait assaut. Mais oui, mais. C'est pas là. Sur 90%. Ah oui, mais je comprends pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Sur 90% faire autant de dégâts, c'est pas possible. Il y aurait Bah, un la peu. prophétie. Non, c'est. Non, Il vient de le 80. faire. Imaginons 300. C'est que 10%, ça veut dire que son coût normal, il aurait fait 3000. C'est pas possible. Écoute, moi avec ma montre agressive, il vient de faire 41. Et avec ma montre Parce stone. que je pense que les 70% terre, c'est vrai, mais c'est pas possible qu'il fait autant de Bah dégâts. alors regarde! Mais non, attends, mais non. Assaut! C'est pas possible. Vraiment, c'est. Non, c'est pas. Il y a un bug quelque part, c'est pas possible. T'imagines, un coup d'assaut, ça ferait 3000, ça veut dire. Bah écoute. C'est pas possible. GG ses assauts, hein. Qu'est-ce que je te Non, dise? non, non, c'est pas possible. T'imagines, il en fait 3 par tour. Ouais, mais faut qu'il attende la fin du combat pour montrer de quoi il est capable. Hein. C'est Mais dommage quand même. ça veut dire que s'il ferait 3000 par assaut,
Si on fait 3, ça fait 9000. Il n'y a aucun boss qui résiste à 4 boss. Eh ben, on va faire le crâne alors, du coup. Je pense qu'il n'y a pas la PO. Parce que le crâne, je crois qu'il trouve pile pas la portée. Enfin, pile ce qu'il faut pas. Enfin, j'arrive plus à dire mes mots. Ouais, mais si c'est bon, s'il fait 9000. Non, je pense justement, je pense que il y a 4 cases entre l'endroit où tu peux taper du plus proche du Kralamour. C'est possible. Je pense que je me rappelle, bah, c'était au dessus de, j'avais fait le Kralamour avec un sacrilleur justement, et je ne pouvais rien faire. Bref, en tout cas donc 360 000 points d'XP pour ce défi, 8000 comme ça fait toujours plaisir, 68 octos, 60 tomes potons. D'ailleurs, je vais juste regarder combien j'en ai exactement. Ah, bah je vais prendre avec vous, parce que non plus je l'avais déjà avant, la cape des valeureux, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais enfin débloquer cape du valeureux. Voilà. Donc je vais pas la mettre parce que la cape du Shenmue est bien plus stylée, je trouve, mais voilà. Hein? D'accord. C'est pas un objet d'apparat. Si, c'est un objet d'apparat et tu peux choisir l'apparence. Mais comme il est Ok. niveau 1, bah, j'ai pas d'apparence débloquée, mais tu peux changer l'apparence. Mais t'as pas ça sur le bouclier par contre. Le bouclier, c'est une apparence et t'as pas le choix. Et là, celle-là, apparemment, t'as plusieurs états. Enfin, t'as plusieurs apparences. Ok. Enfin bref, donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Salut!